Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter l'histoire d'un homme inspirant qui, parti de rien, a gagné en moins de 8 mois et en 8 pages seulement sur son site internet 80 000 $ par mois de commission d'affiliation Amazon. Cette histoire m'a énormément inspirée car elle est simple et son business model peut être recopié par n'importe qui. Et c'est un Américain, donc il y a encore beaucoup de place à prendre en France. C'est ce que je vais vous raconter dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À tout de suite. Nous sommes en avril 2016. Un homme qui s'appelle Luqman Khan vient de terminer un bouquin de Grant Cardone qui s'appelle « Les 10 règles du succès ». Et il s'est dit, c'est intéressant cette lecture, j'aimerais lire d'autres livres dans le même genre. Alors il se rend sur Google, il tape dans Google « meilleur livre business » et il regarde un petit peu les premières requêtes. Et au niveau des résultats, il se dit, ok, c'est intéressant, mais la plupart des livres présentés, je les ai déjà lus. Donc il modifie sa requête et il ajoute simplement au bout de « meilleur livre d'affaires » 2016. Et là, il regarde un petit peu les premiers résultats, il se dit « Ok, bah là au moins il y a des bouquins que je connais pas, je vais un petit peu les noter. » Et puis il se dit « Mais combien de personnes chaque mois font ce que je viens de faire » C'est-à-dire que combien de personnes dans plein de catégories tapent « meilleur le produit et l'année » Parce que lui-même, il s'est fait la réflexion que récemment, il avait par exemple tapé « meilleur buteur 2016 » ou encore « meilleure alternative MacBook Pro 2016 ». Donc il s'est dit « c'est intéressant, je crois qu'il y a vraiment une opportunité à prendre. Mais avant ça, je vais étudier un petit peu pour en être sûr. » Alors, il se rend sur Google Trend, qui est en fait un outil pour évaluer les tendances des mots-clés. Et il regarde un petit peu en tapant « meilleur livre d'affaires 2016 ». Et il observe la courbe et il remarque que, effectivement, la courbe s'envole au fur et à mesure des mois. Mais il se fait une autre réflexion. C'est qu'il ne faut pas forcément attendre la fin de l'année pour écrire un article dessus parce que dès le mois de janvier, des gens recherchent leurs mots-clés avec l'année. Donc, pas besoin d'avoir fait un bilan, pas besoin d'avoir attendu plusieurs mois pour taper 2016. Dès le mois de janvier, on peut créer du contenu à ce sujet. Donc, il trouve ça très intéressant. Donc, il fait un autre test et il marque « meilleur film 2016 ». Il observe donc la même tendance. Donc, c'est validé. Ce genre d'article « meilleur avec le produit ou le service plus l'année » marche extrêmement bien. Et puis, il se dit aussi, d'ailleurs, sur mon propre site internet, eh bien, les articles qui ont le plus marché sont ceux avec, pareil, une date à l'intérieur. Parce que Vancouver 2016 lui a rapporté plus de 41 000 visiteurs. Super Bowl 2016, plus de 32 000 visiteurs. Mais par contre, Idée Saint-Valentin, tout court, sans date, que 5 000 visiteurs. Donc, toujours en avril 2016, il se dit « Ok, on va tester vraiment les choses ». Il crée un nouveau site internet totalement neuf en partant de zéro et il va créer plusieurs articles avec les meilleures catégories de produits. L'idée, c'était vraiment de présenter des articles avec des produits qui se vendaient bien et de placer à l'intérieur un lien d'affiliation Amazon. On peut voir qu'il y a vraiment des photos en grand, qu'il y a des textes qui sont bien travaillés, qu'il y a des plugins d'affiliation Amazon, qu'il y a des comparaisons avantages et inconvénients. Et pourquoi ça marche? Parce que le particulier derrière, il vient chercher un avis, il n'est pas très sûr de lui, mais il a quand même envie d'acheter. Il lui manque quelques informations pour le rassurer de passer à l'achat. Et du coup, il n'a plus qu'à cliquer sur le lien d'affiliation Amazon. Et c'est pour ça que Luqman, eh bien, empoche autant de commissions. Donc, il fait un petit peu ses recherches, il crée ses articles. Et 4 mois plus tard seulement, il se rend compte qu'il est déjà numéro 1 sur Google sur certains articles. Les 3 premiers mois, il encaisse 223 $ de commission pour 905 visiteurs. Mais c'est le 4e mois, au mois de juillet, que vraiment tout s'accélère et il gagne plus de 4 000 $ de commission d'affiliation Amazon pour en tout
$100 000 de ventes réalisées pour Amazon. Donc ok, il a vendu pour $100 000, mais derrière, il en poche $4 000 de commission, sans stock, sans rien vendre, juste en présentant des produits. On arrive en novembre 2016 et là, il génère $40 000 de commission d'affiliation Amazon par mois. Et en décembre, avec Noël, c'est le Graal, il gagne $80 000 de commission d'affiliation Amazon. Donc c'était en décembre 2016, ça n'a pas été actualisé depuis, mais je pense qu'il a dû dépasser largement les $100 000 de commission d'affiliation Amazon. Et donc, cette histoire est extrêmement inspirante. Pourquoi ? Parce qu'on peut voir que on peut créer vraiment de belles commissions d'affiliation Amazon si on se creuse un peu le cerveau, si on adopte vraiment des bonnes méthodes, qu'on ne réinvente pas forcément la roue, qu'on a les bonnes idées et que le travail est très bien réalisé. Donc qu'est-ce qu'on en retient ? C'est qu'on peut tout simplement nous-mêmes créer cette méthode en France pour faire de l'affiliation Amazon. On peut même varier les titres en mettant le plus petit catégorie de produits et l'année, le plus rapide, le plus simple, le plus performant, etc. etc. Il y a plein d'autres idées, mais vous voyez un petit peu là où je veux en venir. Et c'est vrai que j'avais créé un article d'affiliation qui s'appelait Avis Système IO 2019 et qui avait plus de 2500 vues en 2019 et qui m'a ramené énormément de trafic de qualité et des commissions qui me ramènent désormais à vie. Et du coup, j'ai juste modifié l'année en fait. Au lieu de mettre 2019, j'ai marqué 2020 et ça m'a pris 2 secondes et c'est reparti pour 2020. Ça me rapporte tout autant de trafic. Et c'est ce que fait Lucman aussi, c'est que chaque année, il va modifier l'année en cours pour mettre l'année qui arrive. Donc ça lui prend pas énormément de temps et ça marche toujours extrêmement bien et c'est bien référencé sur Google. Donc voilà, je tenais vraiment à vous partager cette histoire qui m'a vraiment énormément inspirée puisqu'elle parle d'affiliation et je trouve ça passionnant de voir comment des particuliers, des petites entreprises parties de zéro, eh bien arrivent vraiment à croître avec d'énormes résultats. Et j'ai envie de vous partager d'autres histoires comme ça, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou manifester au moins avec un petit pouce bleu pour savoir si ce genre de format vous intéresse parce qu'il n'y a plus en fait qu'à recopier le business model qui vous intéresse derrière et générer vous aussi un très beau succès sur internet grâce au marketing internet. Eh bien écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo que je vais créer, je vais chercher une autre histoire autant inspirante et je vous souhaite en attendant plein de succès. Ciao.